don't remember what she had barked. Thank you.
qu'on doit vendre. Where are you going? Tu peux participer? Quoi? Tu peux participer? Oui, non, je suis juste média. Oh, mais c'est juste pas bon! C'est excellent! Oui, non, je suis média. Merci. Same chose? Oui. Hey Patrick, c'est une nouvelle parcours? Oui. La de transport. Ok. Patrick, c'est une nouvelle parcours. Donc, c'est ça, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. On est ici, on s'est arrêté avec Thierry, mais on est aussi un quartier populaire, donc on a aussi nos propres plumes. C'est normal que Thierry et Hochelaga soient dans les mêmes luttes parce qu'on est des vieux quartiers ouvriers qui ont perdu les usines qui les faisaient vivre, qui ont connu pendant longtemps terre de pauvreté, puis maintenant que les bourgeois se rendent compte que c'était bien joli, puis qu'il y avait de la vie, puis qu'il y avait de collectivité, mais ils allaient venir marchandiser tout ça, puis les autres pouvaient rentrer comme ils voulaient. Mon quartier est pas rond, tabarnak! Dans ces gens-là, on dit non, vous penserez pas, non, vous gentrifierez pas le quartier. Ici, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui veulent y rester. Oui! Fait qu'on est ici pour occuper le terrain. Jusqu'à temps qu'on se fasse expulser. Ce qui devrait pas arriver parce qu'on est bon, on est bonne. Ok, donc. Il va y avoir plusieurs choses qui vont arriver. Vous avez des tentes parce qu'on peut voir que la semaine. Ça vous dérange pas. Allez, tentes! Donc, inquiétez-vous pas, on a des tentes, ceux qui en ont, tant mieux aussi. On va construire éventuellement un espace abrité. Alors, on va avoir besoin de monde qui va faire ça. On va avoir de la nourriture bientôt qui va arriver. Dans 2 heures, on va tenir une assemblée générale. Donc, tout le monde, vous êtes conviés à venir.
Bon, quelques trucs aussi. Donc, on a vu tous les gens qui ont des personnes dans leur famille qui travaillent dans la construction, qui sont en grève, à les appeler. On invite aussi les gens à nous apporter de la nourriture, solidarité, des couvertures, du matériel et tout ça. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. OK, donc on va aussi créer un espace pour les enfants et les familles. On aimerait que ça soit sécuritaire pour les gens qui ont des enfants, qui se sentent à l'aise. Donc c'est ça, il faudrait faire attention à ça. Tu veux acheter une chose? Ce sera pas long. On aurait aussi rappelé qu'en ce moment, il y a les gens des Osmoro qui vont se faire évincer en septembre. Donc, la lutte par rapport à la ville et à Hochelaga, elle va continuer après ici. C'est une première place. Donc, on crée la culture de lutte, on crée la culture de résistance dans le quartier, puis on ne laissera pas passer les salauds. Pardon? Vraiment la police. Oui, c'est quelque chose de chante peut-être. Ah, je vois, elle a une caméra sur la tête. Yo, Martin. Dis-moi si la fille a une caméra sur son casque. La fille, est-ce qu'elle a une caméra sur son casque? Oui. D'après moi, oui. Ah, je vois. Ok, moi, lui s'en va. Il y a 7 blessés, 6 blessés. Parce qu'en haut qui est là, là c'est la position des commerçants de Choisy-Nazareth. La rue La Promenade Ontario, il y a un comité. Ok. C'est ça veut dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a parlé avec eux. Il va lui, c'est la première fois que leur butt was wet. Oui, c'est ton don, on va se mettre au cas public mobile maintenant. Il va plus fort. Ouais, mais si tu veux être là, c'est pas grave, ça va te aider. Ouais, mais inquiète pas, mais tu sais, c'est pas grave.
Parce que je suis présent C'était ce qu'on avait comme du monde pour voir qu'est-ce qui était le problème, s'il y a quelque chose. Non, moins qu'un éternel sur deux. Est-ce que vous avez un mandat en ce moment pour quelque chose? Est-ce que... Ça, j'en ai. Ok, ben, c'est bon. Je peux trouver, je peux aller voir. Ah oh, ouais. Ben, on va transmettre le message, là, si ça va. C'est quoi le... Ben, juste dire, c'est quoi la... qu'est-ce qui se passe en général? Il y a toujours un parent sur le nom d'enfants ici. Il y a pas de parents, il y a des enfants ici sur place. Tu as raison, monsieur. Ouais. Je suis peur, monsieur. Merci, d'accord. Ma morale, ou... Non, du coup, j'ai une information à donner également. Donc, nous, on a un mandat présentement des propriétaires des terrains ici qui nous demandent on a un mandat pour vous quitter. Donc, je vais vous demander, si possible, si vous pouvez trouver le but. Sinon, il va y avoir un représentant des propriétaires qui va venir vous lire l'avis des terrains. C'est sûr que sinon, on sait qu'il y a des enfants ici. Fait que si jamais c'est nous qui devons intervenir, qu'il y a des enfants ici, automatiquement, on risquons de faire un signalement à DPJ pour ces enfants-là. C'est des enfants qui se trouvent dans un endroit, dans un lieu où, votre présence. C'est donc, c'est un jugement moral. Pour revenir à ma question, on peut juste appliquer la loi. Hey, moi, j'en ai passé du temps sur des terrains privés quand j'étais petit. Là. C'est un bel écran de fumée, là. Moi, j'aime ça. Donc, on a un mandat des propriétaires d'éviction. Donc, c'est un avis d'éviction. Signé, vous l'avez, vous pouvez nous le montrer. Si vous ne voulez pas quitter, il y a le représentant des propriétaires qui va se présenter, qui va venir vous en faire avec ça. Et après ça, concernant les enfants, c'est ce bout de la vie. Si vous ne voulez pas quitter, à ce moment-là, nous aurons l'autorisation d'intervenir pour vous faire quitter les lieux. C'est sûr que s'il y a des enfants sur les lieux, ce qui va arriver à ce moment-là, nous avons rapporté à la DPJ comme quoi qu'il y avait des enfants sur les lieux. Donc les enfants, les parents vont être identifiés. Oui, parce que ça. Le seul monde violent qu'on voit ici, là, moi, potentiellement, c'est... Votre mandat, on peut-tu le voir? Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui prouve que vous en avez un. Il n'y a rien qui prouve que vous en avez un. Tant que vous n'en avez pas un, ça peut être juste la bullshit que vous voulez dire. Je sais que tantôt, vous nous avez demandé un délai pour faire une réunion. Non, tantôt, on a dit qu'on voulait voir un avis d'éviction, sinon on n'a jamais parlé de délai pour Faire votre réunion, je vais revenir voir dans 20 minutes à savoir si vous voulez quitter les deux. On a besoin d'avis d'éviction avant de faire la réunion. On vient de relire l'avis d'éviction. On veut l'avis d'éviction. Juste une question, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une preuve que c'est le propriétaire ou bien le propriétaire des lieux? Ouais, c'est ça. Pour l'histoire de vérifier la validité, parce que je sais qu'il y a un flou juridique sur le terrain en ce moment, puis la validité du mandat pour être mis en place. Présentement,
Ça va partir vraiment à des problèmes. Est-ce qu'il y a moyen de voir une preuve quand l'avis d'éviction sera lu? Si je vous le donne, de toute façon, l'identité des propriétaires va être cachée dessus. Mais pourquoi vous cacheriez l'identité des propriétaires? C'est un terrain privé, c'est censé être public, ça, les propriétaires d'un terrain privé. Les autres, présentement, ils ont un représentant pour prendre leur place. Oui, mais un représentant pour qui? Oui, mais il n'y a pas de propriétaire, c'est pas sur le record public. Parce que c'est ça, là. On a essayé de vérifier l'information, il n'y en a pas de propriétaire. C'est un lieu privé. Oui, justement. Ces gens-là ont mandaté une personne pour les représenter. Bah, c'est qui ces gens-là? Moi, je vous quitte. Et je vais revenir, il était 10, et je vais revenir à une niche, à savoir... Mais ça sert à rien de revenir, on ne discutera pas avant d'avoir une discussion. On n'arrête pas de discuter ici. On va essayer de savoir que votre réponse. Excusez-moi, monsieur, avec français. Sorry, I'm English, you know, but I can have someone translate. Okay, so did you say that if the kids don't leave, you're going to have someone come and take them? Si les enfants partent, vous allez prendre quelqu'un pour les enfants. Si les enfants partent, vous allez demander à quelqu'un d'aller les chercher. Ils vont être tenus à la détention ce soir si les parents ne sont pas là. Si les arrestations des parents, les enfants vont être tenus. Ok, so you're not only going to take away freedom and justice, but you're going to take people's kids too? Mais, do you wonder why nobody respects you? Je veux juste arrêter ça là. Les enfants n'ont pas le droit d'être ici ce soir. Kids aren't allowed to be here. Ben, le moins possible, s'il vous plaît, pour revenir. On aimerait ça comme faire nos affaires ici. Pas avoir à dealer avec toutes ces affaires. If you take the kids from their parents, are you kidding me? Moi, je n'ai pas de propriétaire ici. J'ai pas de preuve qu'il y a un propriétaire ici. J'ai envoyé un représentant en touche pour commencer à dire des affaires dans un micro. Là. N'importe qui peut le faire. Là. Je veux dire, si tu veux, je peux aller lire ça. Là. Je peux y aller, moi, si ça me tente. Là. Why is it a danger for the kids? Why is it a danger for the kids? C'était pas cool l'affaire de la DPJ. On va où les documents du mort avec les noms de la 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 Ce sont des filles. Et là, il y a un face-à-face épique. C'est quoi ça? Est-ce que c'est les gens de... Monsieur. C'est les gens de devant les... Ça, là, c'est le meilleur troll. Pensez-vous les choses, je veux pas une photo. Vous êtes en sens contraire. Sens contraire, votre chose. Allez, les flics, ils en montent. Thank you.
Pardon? La teamer t'es là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, je vais le okay. Madame, qu'est-ce qu'il y a? De la rue Ontario. Merci. Monsieur, avec la caméra, je vous ordonne de circuler, descendre vers la rue Ontario. OK, je circule. Très apprécié. Je circule. Ouais, je circule. Yep, they're here. They're over there. They're over there. They're all over there. Yeah. Ils veulent arriver par en arrière. Oui, ils veulent arriver par en arrière. OK, watch, ils vont arriver. Yo, they might be coming from the back. They might be coming from the back. Yeah? Yeah. Where? Ouais, ils sont tous parqués sur Jeanne d'Arc. Toute la lignée de l'intervention est toute là. Ouais, je les ai toutes vues, je les ai toutes filmées. Il y a des chances qu'ils rentrent par la ruelle. Ouais, vérifiez de côté. Vérifiez de côté. Article 8 de la Charte des droits et libertés, vous n'avez pas le droit de nous filmer. Vous êtes l'État policier. Article 8 de la Charte des droits et libertés. Je parle aux policiers en train de me filmer. Epic trolling. Is he trying to film? Article 8 de la Charte des droits et libertés, vous n'avez pas le droit de nous filmer. Nous, on a le droit de vous filmer, on est le peuple. Article 8 de la Charte des droits et libertés. Entrave à la police, hein. Il se bloque. Tu veux te poigner une grande parfum à la place? Quoi? Tu veux te poigner une parfum à la place? Je suis en possession de T9 de celui-là. Présentement, je vous considère comme intrus suivant la loi. En conséquence, je vous ordonne de quitter les lieux immédiatement. Si vous ne quittez pas les lieux paisiblement, dès maintenant, vous devez à vous faire expulser. My name is Isabelle Desain. I'm an attorney and I am the representative of the owners of this box. I am in peaceful possession of this property. In accordance with the law, I now consider you as trespasser. Consequently, I hereby order you to leave these premises at once. If you do not leave
voix du poste de quartier 23, vous l'avez entendu, nous vous demande de quitter les lieux immédiatement laissés par le trottoir de façon paisible. Si vous ne quittez pas, il y aura une intervention policière et les gens qui restent s'exposent à des accusations de méfaiblir en vertu de l'article 430 du Code criminel. Ah, et c'est arrivé, c'est pour l'inspecteur sur les voies. As you have heard before, we are asking you to leave by the sidewalk. If you do not leave, there will be police intervention and you could be arrested under criminal code from Article 430, public mischief. Et la première question que j'aurais, c'est est-ce que vous allez nous laisser le temps de démontrer les temps? Une demi-heure, peut-être plus de 30 minutes. C'est le temps de parler. Après ça, de revenir avec voir la décision qu'on a décidée ensemble. On voulait l'éviction. Attends, 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 un peu, Pedro. C'est nous ce qu'on demanderait, c'est juste le temps qu'on puisse parler aux gens, puis nous laisser pas après, là, dans le cas là, où les gens essaient de partir, là, Les policiers restent là, par exemple. Donc, à partir du moment qu'il y a une agression contre un policier, cette entente-là est caduque. Parfait. OK, on s'entend? On va expliquer tout ça en danger. Stop flashing your light on me. You see how it's flashing. Good. Fuck you. Stop flashing on me. Thank you. C'est bon, mec. Yeah, troll me. Oh, they're all the way on. Oh, where I should see. Parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. Ah, ok. Juste que c'est correct d'être ici avec tous les policiers. Ben oui. T'inquiète. Ok. Parce que je suis un peu inquiet. Ben oui.
Non, non. Tranquille. C'est rare que je disparaisse. Haha, so now I can film you guys. Nice try, dude. I got you. Okay, pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que la sortie est par là. Mais on peut pas sortir par là? On part là-bas. Pourquoi? Je comprends. Je pense qu'il n'y avait pas place à la négociation. Oh yeah, that's right. Try to block being filmed. It's not gonna work. Block my shot. Ah ouais. Vous avez toujours tous peur d'être filmé, n'est-ce pas? Peur d'être filmé. Ha ha. J'ai entendu, mais parce que je suis déjà au téléphone, ça va. Ouais, no, they really don't like you. You don't see her just for sir? Yes, sir. Fuck you. Thank you. It's blocked. Let's block the light. Thank you. But I can still film you. Guys, the cops are still watching. Bring it at me. They're watching me. Sucks, man. Oui, c'est poche. J'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je viens dans un endroit avec autant de policiers. Ah ouais? Ouais. Mais t'en fais pas, c'était juste une intimidation, ils vont rien faire. Just put them in cars. Because it unfolds if you don't hold on to it. It's okay, like, I don't know where the car is. I have a question.
En plus, c'est vrai, c'était... Il est trop. Coupe orange, ça a l'air de piquer à coton. Ça, c'est tes potos, mais je le trouve. C'est pas moi, hein. Je t'ai monté pour le monde. Ici, on fait des recherches.